Te souviens-tu du XXe siècle? Te souviens-tu de l'année 1959? Que faisais-tu au mois de juin de cette année-là? Et plus précisément le 23 juin 1959. Rien de remarquable apparemment, puisque je n'en ai pas le moindre souvenir. Boris Vian, lui, pensait bien vivre un jour de plus. Oui, un jour de plus. Eh bien, à sa grande surprise, il n'en fut rien. Car figurez-vous que ce matin, le 23 juin 1959, doit avoir lieu la projection du film, adapté de son livre... J'irai cracher sur vos tombes! Mais lui, Boris, n'a absolument pas envie d'aller à cette projection. Il trouve le film mauvais. Mais bon, sous la pression de son éditeur, il est bien obligé de s'y rendre. C'est pourquoi? Car il ne veut pas que son nom soit cité. Dès le générique, dès qu'apparaît à l'écran, d'après le roman de Vernon Sullivan traduit par Boris Vian, il se lève et s'écrie Et il s'écroule dans son fauteuil. Il décédera peu avant d'arriver à l'hôpital Laennec. Il y a des jours comme ça où il ne sert plus à rien d'attendre le lendemain. Et toi, François Jeannot, que faisais-tu à cette époque-là? À cette époque-là, on parle de quelle époque? 1958-1959. Vous étiez là déjà? Oui. Je vous reconnais bien. Et donc, j'ai joué pendant 2 ans. Mais je bon, je suis ici. Donc, j'ai joué pendant 2 ans au Club Saint-Germain, dans l'orchestre de Georges Arvanita. Régulièrement avec sa femme, je suis là. Et en général, une bande de copains assoiffés de boissons diverses. Alors, il faut que vous sachiez que Boris Vian disait il n'y a que 3 choses dans l'existence. Il y a l'amour, bien sûr, la musique Nouvelle-Orléans et Duke Ellington. Tout le reste est moche. Alors nous, on jouait des thèmes d'Ornette Coleman, de Jean-Louis enfin de George Messenger, et tout ça, de Coltrane. Et je pense qu'il n'est jamais venu faire le bœuf avec nous. Vous savez ce que c'est faire le bœuf? Oui. Il pleut. Il n'est jamais venu
faire le même avec eux parce qu'ils trouvaient sûrement que la musique qu'on jouait était trop moche. Et donc je ne lui ai jamais serré la main ni jamais adressé la parole. Mais bon, maintenant, peut-être un peu tard pour changer quoi que ce soit. Ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. Marie sur le boulevard sans retard, pour en défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est foulé par les agents. Alors chérie, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est bien pour voir le défilé. Je l'ai emmené dans un petit bistrot où l'on sert un beau gelé à de vin, un nectar de première. Je me sentis très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de venir chez moi. Que j'ai grandi au bout de boulot à la suite. Pour éviter que le charbon ne lui entre dans les narines. La pression du geyser accrue par la réduction du diamètre de l'orifice émetteur est en effet suffisante pour transférer les poussières que le mineur se contente d'avaler par le nez comme tout le monde. N'étant pas un genre mineur, la chanson joue, cela va de soi, un rôle majeur dans les circonstances les plus diverses et souvent les moins propices. Nous y reviendrons plus tard, mais empressons-nous d'ajouter qu'on peut se faire à peu près n'importe quoi en chantant, sauf enlever des amygdales ou un lavage d'estomac. Je veux une vie en forme d'arête sur une assiette bleue. Bleu ? Bleu ? Pourquoi ? Je veux une vie en forme de chose au fond d'un machin tout seul. Je veux une vie en forme de sable dans des mains, en forme de
bain vert, de cruche, en forme de savate molle, en forme de farigondaine, de ramoneur ou de lilas. Des petits trous, de terre pleine de cailloux. De coiffeurs sauvages ou d'édredons fous, je veux une vie en forme de toi. Et je l'ai, mais ça ne me suffit pas encore. Je ne suis pas content. Il n'est pas content. Il n'y a pas que lui, hein, moi non plus, j'étais pas contente, le rouge non plus. Mais le jour où j'ai rencontré Johnny. Enfin, la nuit où j'ai rencontré Johnny. Autrefois, dans ces temps-là, j'avais l'habitude de rencontrer plutôt des types un petit peu costauds, voire assez brutaux, ma foi, mais je ne savais pas exactement que c'était pas bien, quoi, en fait. Donc, pour moi, à cette époque-là, si je me faisais un peu bousculer, ben, je pensais que c'était ça, finalement, l'amour. Il s'est élevé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râblé comme tout. Je me suis dit, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Fais-moi mal, Johnny, miroir au ciel. Fais-moi mal, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait tout. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des nez bleus. Il m'a regardé d'un air bête, il n'y comprenait rien de malheureux. Puis il m'a dit l'air désolé, je prends pas de mal à une bouche. Il m'énervait, je l'ai giflé, que j'ai grincé d'un air farouche. Je dis, fais-moi mal, Charlie, enfin mon ciel. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. Je lui ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça a réveillé aussi sec. Il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'enfiler ta série noire. Hey, tu fais mal, Johnny, pas avec le pied. Tu fais mal, Johnny. Oh, j'aime pas l'amour qui fait bon. Il a fait mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, son petit veston. Il a descendu l'escalier en me laissant une épaule démise. Pour les voyous de cette espèce, c'est pas la peine de faire des frères. Maintenant, j'ai les bleus pleins, les fesses, et plus jamais je ne dirai, fais-moi mal, Johnny, envoie-moi au ciel. Je suis pas crevé.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singes à cul nus dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent aux nids truffés de mille. Bonsoir. Alfred Latex, professeur de normalisation quantique et typologique à la faculté. Je vais vous entretenir ce soir d'un sujet d'actualité, le BS. Le BS, non pas le bullshit, mais le brut spéculaire, qui mesure de 0 à 100 la brillance. 0 est très mat. 100 est très brillant. Une échelle parfaitement normalisée par la FNOR sous le label NFEN ISO 314 16 Epsilon Omicron carré 12 du 15 décembre 1758-1957. L'EBS ne mesure pas nos hommes politiques, ils sont ternes. Mais elle spécifie une méthode pour la détermination de l'indice de brillance des revêtements suivant trois géométries. 0 degré, 20 degrés, 60 degrés et 80 degrés. La méthode convient aussi pour le mesurage du brillant de revêtements non texturés sur des subjectiles plan et opaque. Merci de votre attention. À demain pour la suite. Je voudrais pas. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune sous son faux air de thune a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre. Sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards. Sans avoir regardé dans un regard d'égout. Sans avoir mis mon zob dans des coinstos bizarres. Le pluriel d'un maréchal, c'est... Des maraîchers. Ah, et le pluriel d'un général, c'est... Des généraux. Thank you.
J'aimerais tant devenir un grand poète. Et les gens mettraient plein de lauriers sur la tête. Mais voilà, je n'ai pas assez de goût pour les livres. Et je songe trop à vivre. Et je pense trop aux gens pour être toujours content de n'écrire que de vendre. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant seulement aux herbes des haillons d'argent. Le soleil de la montagne fière, lui, mon fifre présentation.
l'élaboration du projet donc, de normes françaises, hein, que tout le monde connaît, gamme d'injures normalisées pour français moyen. PRZ 60-110 mars 1944. Voilà, alors la présente norme a pour objet de définir diverses gammes d'injures pouvant être expectorées facilement par donc un français moyen. Oui, donc un français moyen, voire norme G50-900, et puis le pro-généralité-français moyen. Voilà, alors donc un français moyen, donc en colère, et utilisable donc ces injures dans la plupart des circonstances usuelles de l'existence. Pour chaque gamme, divers listes de termes comportant des nombres croissants d'injures. Alors choisis dans la série Renard R5. Ont été retenus. Au cas où ces valeurs se révéleraient trop faibles, on s'efforcera de n'utiliser que des listes de termes choisies tout simplement dans les gammes les plus voisines. Je voudrais pas finir quand même sans connaître la lettre, hein, ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. L'air bouclier de juin, la terre qui craquelle et l'odeur des conifères. Et les baisers de sel, que ceci, que cela. L'appel que voilà, Ursula, mon ourson. Un de plus. Un sans raison. Mais puisque les autres se posent les questions des autres et leur répondent avec les mots des autres, que faire d'autre que d'écrire comme les autres et d'hésiter, de répéter, de chercher, de rechercher, de s'emmerder, de pas trouver et de se dire « ça sert à rien ». Il faudrait mieux gagner sa vie, mais moi, sa vie, j'ai pas besoin de la gagner, je l'ai, c'est pas un problème du tout. La seule chose qui n'en soit pas un, c'est tout le reste. Tout le reste, c'est tous les problèmes. Mais ils se sont tous déjà posés. Ils se sont tous interrogés sur les plus petits sujets. Alors moi, qu'est-ce qu'il me reste? Ils ont pris tous les mots commodes, les beaux mots à faire du verbe, les étourneaux, les chauds, les gros, les cieux, les astres, les lanternes. C'est plein de ténèbres et de cris. C'est plein de sang et plein de sexe. Plein de ventouses et de rubis. Alors moi, qu'est-ce qui me reste? Faut-il que je cherche pour moi? Sans le dire même au concierge, ni au nain qui court sous mon plancher, ni au papa hauteur dans ma poche, ni au curé dans le tiroir. Faut-il que je me fourre une tige dans les naseaux contre une urémie du cerveau et que je vois couler mes mots? Ils se sont tous interrogés, je n'ai plus droit à la parole. Ils sont tous installés là-haut, où c'est la place des poètes, avec des lyres à pétales, avec des lyres à vapeur, avec des lyres à buisson et des pégases à rêve. J'ai pas le plus petit sujet, j'ai plus que les mots les plus plats. Tous les mots crans, les mots laids, j'ai plus que... Moi et... Oui, oui, oui. Et... Me Quoi oui. Elle Moi Qui oui. Vous Quoi J'ai plus que... Si D'abord, donc... Cependant, Et comment voulez-vous que je fasse un poème avec des mots pareils? Eh bien, tant pis. Je n'en ferai pas. Un bon chien vaut mieux que 2 kilos de rats. Dans une pièce meublée avec un goût parfait, de 16 classeurs de chaînes sodomisés passés au vernis bureaucratique qui tire sur le cacatois.
Le majeur avait une façon très particulière, très personnelle de danser, un peu déroutante au premier abord, mais à laquelle on s'accoutumait assez vite. De temps à autre, s'arrêtant sur le pied droit, il levait la jambe gauche de façon que le fémur fasse avec le corps, tenu donc vertical, un angle à 90 degrés. Le tibia restait donc parallèle au corps, comme on peut le voir, puis s'en écartait légèrement dans un mouvement spasmodique, le pied demeurant parfaitement horizontal pendant ce temps. Le tibia redevenu, si vous avez suivi, donc vertical, le major abaissait son fémur, puis continuait, comme si de rien n'était. On parlait d'amour, pour mieux prouver son ardeur, on me fait ce cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire ce serrant, on les glisse à l'oreille. Ah, Guidule, viens m'embrasser, et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un appel-pucelle, du danopilo, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts, des pâtes à gâteau, une tourniquette pour faire la divine vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer des odeurs, un pistolet à coups, un avion pour deux et nous serons heureux. Ose voir s'il arrivait que l'on se querelle. La lugubre, son allait laissant la vaisselle. Non, c'est pas pour moi. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit, rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah! Gudule, reprends tout ça. Ou moi, je garde. Tu t'excuses tout de suite. Non, tu t'excuses. Toi, là-bas, au fond, là. Tu t'excuses, toi. Je reprends tout ça. Oui. Mon frigidaire, mon amour à pierre, mon éden, mon frère, et ma foule, la mazoute, mon sirop godasse, mon rimas et tout passe, mon tabouret à glace et mon cher ce filou, la double piquette, pour faire la vie vinaigrette, le ratage d'une ordure, et le coup de pétule. Je suis la belle, je me contente d'elle. On la fiche dehors pour confier son sort. Oh, frigidaire, avec la sous-poussière en plus. Oh, lit qui est toujours fait. Au choc, ça va donc à mon avant à ta mère. Peut-être au mal et aller. Quand je vous la mets très, 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 très vite. On reçoit la visite d'une douce petite qui vous offre son cœur. De se faire offrir de l'électroménager d'une part et de penser qu'on va t'attraper avec à la vaisselle par exemple. Ouais, je crois que le hameçonnage il se fait bien. Je suis pas sûre que ça prenne quoi. Parce que de toute façon, bon, les filles là, je vois qu'il y a des jeunes filles dans la salle. Un petit conseil, faudrait peut-être penser à autre chose qu'à se marier. Bon. Au fil et à mesure des années, c'est pas toujours. La folie chou. Un petit domineur. Parce que nous, on a un peu d'expérience là maintenant. Pardon. On y va? Eh ben, on va y aller alors. Avez-vous vu un homme tout nu sortir soudain de la salle de bain, déjà chauvé, un peu ventru et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots, quand ils sont...
sont vieux, ils sont tout frôles. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma. Élevez des singes, élevez des chats. Mettez vos robes de gala. Allez, dansez à l'Olympia. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Ah, avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner? Du rouge à lèvres sur le col du flage, lent dans la guibole. Avez-vous vu au cabaret un jeune homme qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils vous torturent. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Changez d'amant 4 fois par mois. Prenez l'artiche et gardez-la. Ça servira 60 ans à vous payer de vos petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. À la belle vie que ça sera. Si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas. Si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas. Que moi. C'est pourquoi, quand je fais des vers, c'est que ça m'amuse, et c'est que ça m'amuse, et c'est que ça m'amuse, et je vous chie au nez. Moi, tu vas, c'est une vie de galère, mais quand
Bob. Je fais du cheval tous les matins car j'adore le dernier trottin. Je ne ferai pas que les paroles. Pour donner les paroles, je suis star. Je suis star. Et quand je parle d'amour, c'est tous deux dans la cour. On se réunit avec des amis. Mais j'ai qu'un mérite-t-on, puis je vais vous dire, ça m'est égal si j'en joue bien. Hein. Ah bon? Mais est-ce que j'en joue bien? Par deux matins.
ou quoi, ben? Je me retrouve debout devant le dentiste. Je lui refile un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et me dit: en plus, il a des tenailles à la main. J'ai les poils en fromage blanc. Avec mes mains, le reste avec les yeux, mais je vais m'arrêter là pour peut-être pas être trop irrévérencieux. Classification des injures. Alors, premier cas de figure, injurier du sexe mâle. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Soit une personne de rang social supérieur méprisée par le français, donc. Bravo. Numéro de la gamme G1, type de la série A,B. Soit une personne de rang social supérieur de valeur morale, cette fois reconnue par ce fameux français. Ouais. Numéro de la gamme G2, type de la série AB. Soit une personne de rang social inférieur, voilà, appartenant à la mécanique, chauffeur, etc. Numéro de la gamme G3, type de la série ABCD. Soit un ecclésiastique, option 1 de même confession. Numéro de la gamme G5. Bon, allez un petit peu plus vite, allez-y, papillon, voilà. Option 2 de confession différente. Numéro de la gamme G7, type de la série taxi. Soit un capitaine au long cours. Catégorie 0. Non, catégorie unique. Bon, deuxième cas de figure, injurier femelle, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Injuriés ecclésiastiques, injuriés du troisième sexe, option 1 dangereux, c'est-à-dire pouvant dresser contravention. Numéro de la gamme G10, Siri. Option 2, pas dangereux, ne pouvant pas ou hésitant à dresser contravention. Numéro de la gamme. G8. Nota. Nota, il est recommandé quand même, ça c'est important, aux Français moyens porteurs d'enfants en bas âge. D'employer les gammes. Oui, d'employer les gammes G3 et G8, série C ou D. Attention, ne vous trompez pas dans la plupart des circonstances. Dans la plupart des circonstances. Vas-y, Boudou. Un stack de place, Timmy. Excellent. J'ai pas rien. Tu calmes. Sans blague. Malandré. Un stack. Un kit. Un kit. Sans blague. Un tchakou. Un steak! Un steak! Un steak! Un steak! Un steak! Dégonflé!
Huître, cataplasme. Chez moi, en attendant que le monde vienne, avec ses tours dorées, ses cascades blanches, avec ses voix de larmes, et les chansons des gens qui sont gays, ou qui sont payés pour chanter. Et le soir, il vient un moment où la rue devient autre chose, et disparaît sous le plumage de la nuit pleine de peut-être... et des rêves de ceux qui sont morts. Alors, je descends dans la rue, et s'étend là-bas, jusqu'à l'aube. Une fumée s'étire tout près, et je marche dans la nuit, de l'eau sèche, de l'oreille, de la nuit fraîche, fraîche. Le soleil reviendra bientôt. Thank you.
c'était un vrai génie. Question, travaux, pratique. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à maison, vous croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se joue en un quart d'heure, tout seul qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. Celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m. Il y aura de l'air tout neuf, parfumé de l'odeur des feuilles. On mangerait quand on voudrait, on travaillerait sans hâte. À construire des escaliers de forme encore jamais vue. Avec des bois veinés de mauve, lisses, comme elles sous les doigts. Mais les poètes, ils sont très bêtes. Ils écrivent pour commencer, au lieu de se mettre à travailler. Alors, ils ont des remords qu'ils conservent jusqu'à leur mort, et puis on leur offre de grands discours, ravis d'avoir tellement souffert, et on les oublie en un jour, mais s'ils étaient moins paresseux, on les oublierait en deux. Je voudrais pas crever avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. Mmh.
l'argent ne fait pas le bonheur de celui qui n'en a pas. Thank you.
pour mes 14 ans une sœur de mon âge. Elle est arrivée. Elle est arrivée dans, un petit panier blanc. Oui, une rose au corsage. J'ai défait le nœud du ruban de soie qui la tenait captive. Et j'ai donné 10 sous au commissionnaire. Elle avait des yeux comme des baleines, une bouche en rémoulade, un œil de jument et un œil de fémur. Merci. Un œil de fémur, un porc de jument et elle était ravissante. De la cantine en gelée. Il en reste. C'est pas possible. J'aimais beaucoup les jolies filles. Je les prends dans mes bras. Je les touche. Je les renifle. Je les serre. Je m'en sers. J'étais content d'avoir une sœur. Oui, mais je regretterai mes 10 sous. Thank you.